Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça, je dis à nous une vidéo qui est vraiment spéciale. Côté nous parler de 5 pirates qui sont plus dangereux et qui sont plus forts dans le monde. Si toutefois vous êtes intéressé à la technologie, vidéo ça vous intéresse tout. Si c'est la première fois que vous regardez vidéo sur la chaîne YouTube, ça, si vous abonnez déjà, merci. Mais si vous pouvez abonner, je vous demande de faire ça. Et le final abonné, cliquez sur le bouton notification. Ça, on fasse pour YouTube capable de voir un message bas ou chaque petit nouveau vidéo. Parler de technologie, il y a deux nouvelles pour vous. Première nouvelle là, c'est que la technologie a tellement avancé qu'on y a, et avec un téléphone, avec un ordinateur, on est capable de faire presque tout ce besoin. En plus, gros pays, par exemple Brésil, on pas presque à la banque encore. On a une banque de téléphone, on a fait presque tout ça. Et pas seulement banque, en plus l'autre bagaille, on a acheté tout ça qui a besoin online. La technologie est tellement avancée, tellement importante, il facilite la vie. Nous. Deuxième nouvelle là, c'est qu'il n'y a pas rien qui est fiable sur Internet. Oui, pas rien qui est fiable sur Internet. Même gens ou capable de faire presque tout ce besoin sur Internet, comme ça, tout capable de perdre presque tout ce gagné tout sur Internet. La raison c'est que tout ça ou fait sur téléphone, sorti depuis dans vos messages par un monde, relayer un monde et entre numéro qui a décrété sur un site pour acheter quelque chose à lier et enregistrer sur un serveur. Donner ça yo enregistrer sur un serveur, ça veut dire pas gain rien qui fiable. Monde qui pirate yo, si vous voulez pirater téléphone yo capable pirater et a besoin accès avec tout ce qu'on a fait depuis l'autre gain téléphone là. Ça veut dire yo pas perdu. Pas penser au fin de vos photos bas en monde au supermail et puis ça finit. Non. Si vous voulez vous venir parce que vous enregistrez sur un serveur, ça veut dire que la technologie n'a pas rien qui fait là-dedans. Et pas rien qui n'a pas piraté. Il y a qui dit bon, je ne vais pas acheter un téléphone Android, je vais acheter un iPhone. Non, iPhone qui a piraté, Android qui a piraté. Pour qui ça a un piraté plus iPhone et plus Android ou bien Android toujours prend plus virus, c'est parce que majorité de la population yo servi avec Android. Par exemple, mon pirater majorité là des yo pirater pour cap faire comme. Et si majorité mon population a Android et c'est comme m'a fait pour que ça me prend des mon qui iPhone yo, pas de ces hommes qui fait plus comme sur Android. C'est raison ça qui fait mon toujours penser que iPhone plus sécurisé parce que téléphone iPhone yo prend moins virus. C'est pas parce qu'il est plus sécurisé, mais c'est parce qu'il crée plus virus, il crée plus et monopirate plus et système Android. OK? Bon, on commence avec la vidéo. Premier pirate là c'est Raphaël Gray. Raphaël Gray à 19 ans, t'es un ordinateur qui très simple, un petit laptop très simple, mais ça pas t'empêcher le pirater en pile site internet, en pile boutique en ligne. Bon, non moins que un jour Raphaël piraté plus que 6500 cartes de crédit. Wow! Plus que 6500 cartes de crédit. Ça qui est fort et ça qui peut faire Raphaël vin très populaire, c'est parce que parmi les cartes de crédit, ça yo, cartes de crédit Bill Gates te fait partie de l'ISA. Bon, je ne sais pas si on dit wow, Bill Gates c'est quoi la technologie? Comment on fait pirater? Son façon pour me prouver que la technologie n'a pas rien qui est fiable. Rien pas fiable dans la technologie, pas rien qui pas pirater la technologie. Même les qui voient la technologie, on n'est tout qu'à voir dans la question pirate. Ça veut dire que la technologie n'a pas rien qui est fiable là-dedans. Tout ce qu'on fait sur le téléphone, nous, pas rien qui est fiable, pas confier dans rien. Ok, c'est pas pour faire nos peines, mais si vous pouvez nous que la technologie elle-même pas rien qui est fiable là-dedans. Deuxième pirate, nous avons une liste noire, c'est un Canadien qui est Michael Cowles. Michael Cowles, c'est une pirate qui pirate un pile gros site internet que nous pas ta penser, tant que eBay, Amazon, FIFA, Yahoo et un pilote encore. Michael fait compagnie ça, il fait un gros déficit, un déficit qui vaut plus que milliards de dollars en tout. Bon, après déficit ça yo et tout États-Unis en tout t'a cherché Michael pour te arrêter. Actuellement, Michael pas en prison. Michael a travaillé comme sécurité dans un pile gros entreprise côté l'a empêché l'autre pirate pirater système entreprise ça yo. Et Michael écrit un livre qui est Mafia Boy côté il parle de pirate online. N'a un livre disponible sur Amazon. Troisième pirate nous gagne dans liste nous c'est Owen Toll Walker. En 2018, avec seulement 17 ans, Owen aidé un groupe pirate pirater plus que 26 millions de dollars. 26 millions dollars.
Tout kop sa yo soti sou kat de kredi ordinateur ki yo te pirate yo. An tout yo pirate 1 million et 300 000 ordinateur nan tout monde lan. 1 million et 300 000 ordinateur nan tout monde lan. Se an pil ordinateur. Se pa ti kozi. Ok? Sa fè rive nan 26 million dollars an tout. Après tout ça, Owen te pa prison. Actuellement, la travay et comme sécurité en ligne nan gwo entreprise kote la aide yo sécuriser système yo pou moun pa pirate yo. Tatye moun nou gen nan lis nou an, se Evgeny. Yo plis konnen sou nom Slaviki. En 2016, Slaviki fè pati de lis moun FBI plis ap chache apre ou fè konnen te participe nan fraud ki fè Trump te gen eleksyon. A part de sa, Slaviki se responsable yon krim virtuel ki te fèt en 2013 kote li te gen li te fè plis ke 25 milyon dola avec un virus qui était infecté 234 000 ordinateurs dans tout le monde là. OK, c'est une raison qui fait Slavik, c'est un monde qui FBI plus a cherché comme pirate priorité. Slavik qui crée un virus qui est le Zeus, un virus qui est capable de contrôler plus que 1 million ordinateurs dans tout le monde là. Cinquième et dernier pirate nous gagné dans liste noire, c'est Wangi Xiangyi Gangi. C'est pirate qui plus jeune tout. L'océan chinois, il y a seulement 13 ans. Même si pirate qui fait ça qui mal, il y a pirate qui fait ça qui bien. Ça c'est Ka Wangi Xiangyang. Différemment de l'autre pirate, Wangi lui-même lui travaille, il fait un travail qui pop. Ça veut dire, il monte sur le système, ce n'est pas pour pirater, pour lui prendre comme bon, pour voler comme bon. Mais il pirate pour capable, mais qui côté dans le système, qui a une faiblesse, et lui, les compagnons, dit compagnons, waouh, monte sur le système, moi, telle partie qui a une faiblesse. Ou bam tel quand c'est des cop m'a monté au lit et m'a prangé le pou. C'est comme ça les mêmes les fonctionner. Bon, c'était vidéo ça me déboutait pour aujourd'hui. Si tu veux aimer vidéo wa, abonner avec chaîne YouTube là, like li, partager lien avec famille, amis et m'attendre pour une autre vidéo.